Notre groupe de quatre, on se nomme les 8 gambettes pour une asso. Et notre objectif, c'est de récolter des fonds pour deux associations. En récoltant des fonds via une cagnotte sur Eloasso, on va faire en sorte, à chaque palier, on fait un parcours en vélo. Du coup, les deux associations qui nous accompagnent le long du projet sont le FNE et la LPO, donc France Nature Environnement Pays de la Loire et la Ligue de Protection des Oiseaux Anjou. Ces deux associations nous aident au bon déroulement du projet et nous accompagnent également dans la recherche de partenaires. Des partenaires qui nous aident soit financièrement via un don sur la cagnotte, soit via un prêt de matériel pour la durée du projet. L'entièreté des dons qui sont faits sur cette cagnotte sont reversés de manière équitable entre les deux associations, et ce, à la fin du projet. Donc notre cagnotte s'organise en différents paliers qui correspondent à différentes distances de trajet, depuis le plus petit palier de 500 euros jusqu'au plus grand palier de 12 000 euros. 12 000 euros qui correspond à la distance entre Saumur et Saint-Nazaire à vélo et le retour. Tout ça le long de la Loire à vélo, en passant par d'autres villes qui s'échelonneront sur une période maximale de 10 jours début mai. Donc, pour le choix des associations, on a contacté diverses ONG ou associations qui nous tenaient à cœur, donc plutôt liées à l'environnement ou à la santé. Et au final, on s'est dit qu'avec le vélo, ce qui collait le plus, c'était l'environnement. Il y a deux associations qui nous ont répondu en même temps, où on a décidé de se mettre en partenariat avec deux, et non une, comme l'indique notre nom. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec la LPO Anjou et le FNE Pays de la Loire. Donc c'est deux associations qui me tiennent à cœur, car je pense que tous les quatre, on est plutôt motivés par l'idée de protéger l'environnement et on aime tous les quatre le vélo, donc c'est le cœur du projet. Dans tous les cas, vous aurez toute la description de notre projet dans le lien Eloasso, donc vous aurez tous les paliers ainsi que nos différents objectifs en résumé. N'hésitez vraiment pas à nous soutenir en faisant un petit don, ça nous aide beaucoup. Et également, faites partager, c'est le principal but, vous pouvez nous suivre sur nos pages LinkedIn, Instagram principalement. Merci beaucoup.